Allez, on attaque directement avec Cataldo. On va voir tout de suite si on nous laisse s'échapper. Ça a l'air d'être le cas. Hein. Voilà, donc l'échappée matinale se forme. Pour l'instant, on est 4. 5, hein, je ne sais pas bien compter, mais on est 5. Et c'est pas des hommes dangereux au classement à poids. Donc ça, si cette échappée prend, c'est parfait. Bon, ça c'est pas un souci non plus, il ne faut pas qu'on finisse trop nombreux pour que le peloton ne réagisse pas trop vite. Derrière toi, ça tente de s'échapper. Alors qu'on a bientôt fait. On a bientôt une minute d'avance. Je vais prendre mon dernier relais et après je resterai à l'arrière. Voilà. Donc là, le peloton ne réagit pas. Donc j'ai ma carte pour sortir. Donc ça, c'est très bien. La tactique a fonctionné finalement, on va dire. Enfin, j'espère. C'est pas encore fait, mais là, cette section est très courte en plus. Donc je vais prendre une seule banane. J'en prendrai une autre puisque je vais faire les ascensions avec Cataldo pour prendre les points. Là, on peut clôturer le maillot à poids dès ce soir, dès cette étape si ça se passe comme prévu. Donc on se retrouve en haut du col d'Aubisque avec Cataldo. Donc j'ai fait cette petite pause là pour vous dire deux petites choses. Tout d'abord, vous allez voir que l'échappée est légèrement différente. Parce que j'ai eu un petit problème de sauvegarde après la première section, donc j'ai dû recommencer. Bon, j'ai pas refait la vidéo parce que j'ai fait exactement la même chose, mais voilà, le groupe est un peu différent. Il y a Boudin qui s'est intercalé, on sait pas trop pourquoi, donc du coup il a pris quelques points au sprint intermédiaire. On fera le point dans la descente, mais par contre du coup il y a quand même pas mal d'écart maintenant entre les échappés et le peloton. Et donc du coup là je vais récupérer Cataldo très proche de l'arrivée. Et l'IA avait commencé à le faire accélérer, donc je sais pas trop où je suis, on va voir ça. Donc je suis à 280 mètres, ben voilà, il était vraiment temps que je prenne la simulation. 200 mètres, ben là, faut y aller. Hein. Mon principal adversaire, c'est Caruso, et donc ben, il n'a pas l'air très chaud. C'est quand même lui qui va passer deuxième, mais bon, tout va bien. Je prends les points pour le maillot. Et oui, on a 23 minutes d'avance sur le peloton. Qui roule plutôt tranquille, et en début de col j'avais pris l'Epimer pour lui rebooster sa barre verte. Donc là l'Epimer et Chavanel sont en pleine forme, et Velitz et deux vertes sont un petit peu en retrait. Merci coach pour cette bonne information. Donc voilà. Le groupe Cataldo, donc avec Federigo, Caruso, Nicky Sorensen, donc qui n'est pas le deuxième du général, mais l'autre Sorensen, Siutsu, Tendam, Ladanius. Donc apparemment, vous avez vu, tout le monde se moque du maillot à poids, donc ça c'est très bien. Boonen qui est intercalé, mais qui va se faire reprendre. Et on a quelques petites échappées qui ont eu lieu dans le col d'Aubisque. C'est Isaac Guiré, Albazini, Riblon, Voigt et Moncoutier, Ougerland qui se sont intercalés. Donc ensuite, on a le groupe maillot jaune. Et ensuite quelques attardés, les sprinteurs essentiellement. Voilà pour ce début d'étape. Bon, on se retrouve au sommet du Tourmalet avec le groupe de tête. Et vous voyez que plus personne ne veut collaborer. Là, ils me font tous la gueule. Ils en ont marre que je squeeze les relais.
Dans un sens, moi, ça m'arrange puisque mon manager m'a annoncé il y a quelques temps que j'étais en train de perdre le maillot jaune. Donc je pense que c'est Sorensen qui doit être le plus dangereux. Voilà, il y a 1 km, ils se remettent à... Ah, mais d'ailleurs, Ladanus est revenu alors qu'il était... il s'était fait lâcher. Donc du coup, il a réussi à rentrer. Et ça réaccélère pour le sprint. Et vous voyez que ce groupe a donc 24 minutes d'avance toujours sur le peloton qui s'est réduit. Hein. Donc on a Voigt et Riblon qui reviennent doucement, mais ils vont commencer à plafonner, je pense. Moncoutier, Uggerland, Izaguirre et Albasini, pareil. Bounen qui va se faire rejoindre par par le peloton maillot jaune qui ne compte donc plus que 82 unités. Et il y a quand même des coureurs style Montfort, Zubeldia, Roche qui sont lâchés. Je comprends pas comment ils peuvent se faire lâcher à ce rythme-là, mais bon. Ils sont en méforme complète, on va dire. Donc voilà, il reste 600 mètres et il va falloir jouer ce sprint. Donc je pense que c'est Caruso le plus dangereux. Enfin, au classement, c'est sûr. Donc je pense qu'il y a peut-être que lui qui va jouer le sprint. Donc je vais rester dans sa roue jusqu'aux 300 mètres et après, on va viser. Voilà, donc lui, dans l'esprit, prend un relais classique apparemment. Tendam qui a fait des relais assez forts quand même, assez costauds. La Danius, il est mort. Allez, je prends le relais. Je mets un bon rythme. On va voir si... Non, il se passe pas grand-chose. Je pense que ça devrait aller. Je vais quand même assurer le coup en mettant une petite accélération. Et Tendam, il veut ou quoi son sprint là? Ah, ça a été un peu plus disputé là quand même, hein? Mais enfin bon, voilà deux sprints gagnés sur des hors catégories. Donc ça fait quasiment, ça fait 50 points, je crois 40 ou 50 points. Donc ça c'est tout bon. Le maillot à pois commence à être acquis. Donc on se retrouve avec Sylvain Chavanel dans la fin du col d'Aspin. Et donc je vais me faire protéger par de vertes. Tiens, voilà, on va essayer de préserver. Je vais essayer de préserver les Pimer pour l'étape de Péragude. Parce que là, a priori, ça peut-être les Europcar préparent quelque chose en tout cas. Tout comme les Movistar. Là, ça accélère quand même méchamment. Là, il faut absolument s'accrocher, il y a quand même 5 km. Oula, ça va être dur, je crois. Là, la barre verte de Chavanel va quand même en prendre un coup. J'en ai bien peur. Allez, on va essayer de remonter le plus haut possible. Voilà, on est derrière les Europcar qui préparent une attaque de Roland, je pense. Devant, donc il n'y a plus que 19 minutes. Hein. Donc ça a quand même accéléré. Je pense qu'il n'y a plus de danger pour maillot jaune. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder qui était le principal danger, mais bon, son écart va ne faire que diminuer. Devant, il y a 3 hommes en forme. Hein. Enfin, les plus en forme, c'est Cataldo, Tendam et Siu-Tiu. Donc la victoire va se jouer entre les trois, je pense. Allez, je me concentre sur Chavanel. 3,5 km. Si on passe ce col avec le peloton, ça sent quand même bon. Parce qu'après, on pourra tout donner
dans le dernier col et finir tranquille dans la descente. Peut-être même envisager une attaque dans la descente là, si, pour avoir un petit peu d'avance avant le dernier col. Là, je suis un petit peu en train de rêver, mais bon, pourquoi pas le tenter. Ça évitera aux équipiers de récupérer. Je parle des équipiers de mes adversaires, évidemment. Allez, 3 km. Bon, là, les Europcar ont juste mis un train un peu plus soutenu, mais il n'y a pas d'attaque encore. Hein. Je touche du bois. Ouais, je suis très bien placé, bien protégé, aux avant-postes. Faut pas que ça aille plus vite quand même. Hein. Je suis un petit peu au max là. Hein. Au max sans trop m'épuiser. Donc j'ai deux bananes et un abricot en réserve. Attention. Attention à ces accélérations. Je suis un petit peu tendu quand même parce que là le tour se joue quand même ici, surtout dans l'étape de Péragude, mais c'est là que là en plus on maîtrise pas tout avec les simulations. Autant à Péragude, il n'y a pas trop de simulations sur la fin d'étape. Autant là, je sais pas dans quel état je vais retrouver Chavanel. Au début de la dernière séquence, ça c'est le gros point d'interrogation. Je peux aussi bien avoir ma barre jaune et ma barre rouge complètement à plat. Et on peut vite perdre 2 minutes hein, dans les derniers kilomètres de paire sourde qui sont quand même assez costauds. Et là, je commence à lâcher en plus. Donc il reste quand même 2 kilomètres. Allez, faut s'accrocher, Sylvain. Allez, on est toujours dans l'aspiration, mais plus pour très longtemps, je crois. Et voilà, on en fait partie. Allez, tant qu'on est à cette distance, c'est pas bien grave. 1,5 km. Ah ben, Moinard, le cinquième du général, qui a dû se sacrifier pour Cadel Evans. Allez, on s'accroche, c'est bien. Bientôt le dernier kilomètre. Ah, ça va être compliqué quand même, hein. On voit quand même la belle résistance de Chavanel parce que il est quand même à une barre depuis un bon moment et sa barre jaune est quand même très très correcte encore. On revient même pas loin de la queue de ce groupe alors qu'il reste 800 mètres. Ah, ça va le faire hein, pour ce col. Moinard est lâché. Allez Sylvain, 600 mètres. On voit le sommet, on voit le panneau, la banderole. 450 mètres. Allez Sylvain. Un dernier effort. Et après, on pourra prendre une petite banane dans la descente pour bien récupérer. Alors que deux vertes est limite aussi. Allez, on finit à fond. Voilà. Allez, il faut rentrer rapidement.
de verte, c'est fini. Mais on va rentrer dans le groupe, donc ça c'est tout bon. Voilà, on va pouvoir récupérer. Donc je prends une petite banane. Quand j'ai dit que je voulais attaquer dans la descente, je crois que je vais peut-être peut-être oublier cette histoire. Hein. Voilà. Ça y est, on est dedans. Martine est toujours là. Voilà, on va remonter un petit peu le peloton. Et là, on est rentré en phase de récupération. Donc maintenant, ça va être comment va-t-on récupérer Chavanel pour la dernière section. Alors que les échappés ont encore 18 minutes d'avance. Cataldo est toujours dans le groupe de tête. La Danius est lâchée. Et Riblon, Moncoutier, etc. ne reviendront pas. La victoire se jouera entre les 6. Et on n'est plus que 46. Hein. Le peloton s'est quand même bien réduit. Et donc j'ai Velitz et les Pimer. Alors je vais essayer de prendre Velitz après pour me protéger. Et essayer d'épargner les Pimer pour Peyragudes. Bon voilà, je récupère Chavanel, bah, pas si mal que ça, enfin plus de rouge, mais ça c'était un peu logique, du jaune à peu près correct, donc je vais prendre tout de suite mon abricot, et puis surtout, bah, Martin il est mort, donc je vais prendre les Pimer en plus de Velitz, j'avais épargné un peu Martin dans la fin de la descente, là par contre je sais pas pourquoi je suis si faible, voilà je me mets à 2 barres quand même. Bon, ça va quand même être compliqué de suivre, mais là j'ai quand même fait l'idiot, là, on va dire. Et bien, Nibali attaque avec Valverde en plus. Donc là, il va falloir résister 3 km et rentrer dans la descente, évidemment. C'est évidemment l'objectif. Et là, Nibali. Il va fort, mais bon, il y a de grandes chances qu'il se fasse quand même reprendre dans la descente. Finalement, c'est pas plus mal qu'il soit un petit peu devant. Comme ça, s'ils se font reprendre dans la descente, il y aura un petit temps d'arrêt après, au moment où ils vont se rattraper, se rejoindre. J'essaie de me mettre à peine plus que 2 barres, mais là, ça, c'est un petit peu trop quand même. Voilà, comme ça. Là, j'ai une petite chance de suivre et d'avoir le rouge qui se maintient. D'ailleurs, je rentre presque dans le groupe. Ah, ça, c'est le genre de choses qui énerve quand même quand ça se joue à 2 mètres près. Et quand je vais rentrer sur quelqu'un, bah, ça sera des gens qui vont lâcher. Ah, c'est en train de se passer. Mais bon, là, j'ai un bon rythme. 177 pulsations, c'est très bien. Ils sont pas loin. Et il reste plus que, enfin ou encore, je sais pas trop comment dire, 2 km et demi. Voilà, les attardés m'embêtent pas trop pour l'instant. Voilà, c'est bien. Là, il y a du fair play. Ils sont là, hein. Allez. Merci Christophe. Bien écarté. Ah bah là ils s'écartent tous maintenant, c'est quand même bizarre. Hein. Il y a des étapes, ils font tous des queues de poisson. Et là, ils s'écartent tous gentiment. Enfin, le maillot jaune a un peu de respect quand même. Voilà. Merci Kizorlowski. Allez, 1,9 km, je les vois, je suis pas loin. Si l'écart se maintient à cette distance, je rentre dans la descente, c'est quasiment sûr. Par contre, j'ai plus de rouge, donc je remets un petit peu, je relâche un petit peu à 2 barres. Allez, 1,5 km. Ils sont là. Ils sont vraiment pas loin.
Allez, on s'accroche, Sylvain. Les deux meilleurs équipiers en montagne disponibles. J'espère que je ne vais pas trop cramer les Pimers pour Peyragudes. Mais là, c'est quand même important de ne pas perdre de temps. Cataldo, on va lui dire d'attaquer, tiens. Cataldo qui est donc avec Tendam et Supsu. Comme prévu, c'était les trois plus en forme. Ok, on va lui dire de suivre les attaques. Et puis on verra bien. Ça a marché avec Pinot. Ça va peut-être marcher avec Cataldo alors qu'on arrive à la flamme rouge et qu'ils sont... Ouais, ils sont... Une trentaine de secondes, je pense. Une quarantaine de secondes même. Allez, il faut s'accrocher, Sylvain. Alors, on revient encore sur un autre groupe. Il ne va plus rester grand monde devant, là. On revient sur qui, là? Sur l'Adanius. Là, je reconnais son style fatigué d'échappée matinale. Voilà. Richie Porte. Ah, c'est Frank Schleck, c'est quand même pas un groupe de tocards. Hein. Feuillu, Kobo Acebo. Ou pour Vélid, ça devient compliqué. Aïe aïe aïe, je l'ai cramé. Allez Vélid, reste-en là. De toute façon, j'ai pas besoin de toi dans la descente. Daniel Martin, Andreas Claudon. Il y a quand même du beau monde dans ce groupe. Et allez, moi je vais attaquer la descente. Alors je vais peut-être dire à les Pimers de rester dans le groupe. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Il n'y aurait pas de me suivre un petit moment quand il n'en pourra plus. Il arrêtera de me suivre. Allez, maintenant, faut tout donner. 12.36. Attends, c'est pas le moment. C'est pas le moment de regarder l'écart. Allez, une petite relance. Voilà, les Pimers, il va finir tranquille. Allez, 12 km pour rentrer. Alors là, on va regarder l'écart. 12.30 pour 11.26. Oh, Cataldo qui gagne l'étape en plus, ça c'est beau. Donc ça marche bien, hein, le côté suivre les attaques, ça marche très très bien en échappée. Et donc 11.26, oui, donc j'ai une petite minute de retard. Donc il va falloir quand même cartonner dans la descente. Il va falloir y aller à fond. Donc j'ai. Ouais, ok. Ok, bah une minute pile poil. À deux secondes près. Alors, on passe la barre, le panneau des 10 km. Est-ce que Chavanel peut reprendre une minute en 10 km de descente? Ça paraît compliqué quand même. Voilà, je vais lâcher mes boulets. Et allez, on va se libérer là. Ah, ils reviennent, hein. Sorensen prend un relais alors dans ce cas-là. Il doit être vexé d'avoir perdu le maillot à poids. Allez, là, je vais remettre un petit coup dans les virages. Je pense que là, ça sera la bonne pour les lâcher. Ah, pas sûr. 11 minutes. Ah, là, je suis revenu à 34 secondes. Donc là, ça a quand même bien avancé.
Et victoire de Cataldo, ça doit être, c'est la quatrième ou la cinquième, quatrième je crois. Donc il est énorme Cataldo en ce moment. Les Pyrénées, c'est son jardin. Il y a le passage délicat. Enfin non, pas encore. On croirait que ça remonte, mais ça remonte pas encore. Par contre, ça se calme quand même dans la descente, donc on va perdre de l'énergie, ça c'est pas bon. Alors qu'on revient sur le groupe. Qui est ce groupe? 10-50, ouais, je reste à 30 secondes. Il y a des virages là qui vont bien m'arranger. Coppel-Perrault. Allez les gars, on se fait un groupe de Français là, on revient sur le peloton. Parce que moi, Kessiakoff. Et je sais pas qui, je peux pas trop compter sur eux. Ouais, ils n'ont pas l'air chaud non plus. Hein. Allez, ma barre rouge est bien remontée. Peut-être finir par les lâcher quand même. Des virages, ça c'est tout bon, des virages. Des virages à fond. Ah, j'aurais pu passer à fond là. Oh, ils sont là. Oh, ils sont déjà là. Oh, bah ça sent bon ça. Ils sont déjà là. Alors, je vérifie que c'est bien eux quand même. 10-56, 10-44. Il y a Riblon devant, c'est tout. Donc, c'est bien le groupe des favoris. Ah, je vais même pouvoir jouer le sprint. Bon, c'est là que je me crame dans le replat. Alors, espérons que ces 50 derniers mètres soient pas les plus durs et que j'y arrive jamais. Allez, allez, allez. Allez, Sylvain, t'es dedans là. Il y a encore deux virages, de toute façon, qui sont plutôt tranquilles pour revenir. Enfin, qui sont pas tranquilles, mais qui sont à mon avantage. Les voilà en plus. Ça y est, je suis dedans. Oh là là, ça fait plaisir. Salut les gars. Je vais me placer aux avant-postes quand même. Et là, c'est la chute, le drame. Voilà. Donc là, je vais pouvoir récupérer du rouge, faire le sprint et ne pas perdre de temps. C'est la fête du slip. Je me vois pas attaquer quand même, il ne faut pas exagérer. Et je fais le sprint pour le gain, pour le peloton, enfin le sprint du peloton, si on peut appeler ça le peloton finalement. 500 mètres. Ils sont morts, hein, moi j'y vais, là j'attaque là. Non, ils sont pas morts, mais. Super Chavanel, alors là. Donc super victoire de Dario Cataldo devant Suzu et Tendam au sprint alors qu'il était moins fort en barre verte. Et Chavanel qui finit dans le groupe des favoris à 10 minutes 40 avec tous les leaders du général. Cataldo qui fait le carton plein dans les points de la montagne. Quelques points de sprint pour tout le monde. Omega Pharma Quick Step, troisième équipe de l'étape. Et au général, donc on prend 18 minutes d'avance sur la BMC. Toujours 1 et 2 avec Chavanel et Bounen au maillot vert. Cataldo qui assure quasiment définitivement son maillot à poids. Et Chavanel qui conserve donc son avance de 2 minutes 20 en gros sur Vöckler et Nibali. 3 minutes Valverde. 5 minutes 30 Melchoff. Et 6 minutes en gros sur Evans, Esdjal, Froome, Vandenbroek. 7 minutes sur Pinot qui complète le top 10. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour l'étape décisive à Peyragudes. Ciao, ciao.